Dans un an exactement, l'Institut du monde arabe devrait voir le jour à Paris. Conçu il y a 10 ans, l'Institut aura pour mission le développement des relations culturelles et une meilleure compréhension entre nos civilisations. Le ministre des Relations extérieures et le ministre de la Culture ont fait visiter le chantier aujourd'hui aux ambassadeurs des pays arabes à Paris. Joël Hazard était de la visite. C'était un peu l'Arlésienne, l'Institut du monde arabe. 10 ans qu'on en parlait sans jamais rien en voir. Le mythe a pris fin. L'heure est au casque jaune du bâtiment pour les ministres français des Relations extérieures et de la Culture et 20 ambassadeurs arabes. Le plus grand chantier de la coopération entre Islam et Occident prend forme. En bord de Seine, accolé à Jussieu, l'Institut se veut le futur beaubourg arabe. De fait, il abritera musées, bibliothèques, cinémas, banques de données, expositions. De quoi changer l'image du monde arabe en France. Mais pour quel autre ? Certains États membres voulaient en faire une vitrine pour leur réalisation nationale, voire leur propagande politique, d'où des années de crise. Aujourd'hui, le pari semble gagné. Le bâtiment, à la fois moderne et traditionnel, symbolise le dialogue entre deux types d'urbanisme, à mi-chemin entre la culture arabe et occidentale, entre modernité et histoire. Il contribuera à relever le débat sur la réalité islamique. Nous essaierons de diffuser un message artistique, culturel, poétique, littéraire. Nous réussirons certainement à attirer d'abord l'attention du grand public français, à réduire chez lui les préjugés, les idées reçues et les malentendus qui existent actuellement. C'est essentiellement notre tâche. Depuis 80, l'Institut fonctionne tant bien que mal dans cet hôtel de la rive gauche, un repère pour intellectuels orientalistes français. Demain, il sera plus largement ouvert aux Arabes des pays membres. Si l'Institut réussit dans sa mission, il pourra accomplir une sorte de synthèse culturelle arabe qui permettra aux Arabes de mieux se connaître, permettra aussi de se retrouver beaucoup plus dans des projets culturels qui sont faits là que dans certains projets culturels extrémistes, qu'ils soient extrémistes de droite ou de gauche ou dans un sens ou dans un autre. Mission tellement ambitieuse qu'on l'a cru longtemps impossible. Pourtant, cette fois, l'Institut du monde arabe n'est plus un mirage.